de nous repayer, de nous payer après tout ce que nous faisons pour toi. Non, c'est très gentil à vous d'être là, mais c'est pas la peine de dire que ce serait un bon moyen de nous remercier. Alors, il y a un coffre en bas avec des machins. Est-ce que je vais réussir à les exploser assez rapidement? C'est la vraie question. Qu'est-ce que je fais avec elle? Il devrait mourir au prochain, là il n'y a pas de burning. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Warm. Et normalement, enfin une grosse boule de feu derrière, peut-être qu'avec un peu de chance, ça va suffire, mais je sens l'arnaque. Je sens totalement l'arnaque arriver, qui est plein d'araignées qui vont pop. Voilà, on voit. Il y en a plus qu'une. Ah, il me reste ce. Bon, on est bon, on est bon. Enfin, je pense. Oui, parfait. Ouh, level up! Genre! Ah si, non, les deux ont level up, ça va, j'ai eu peur. Non, c'est parfait, finir sur un level up, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'il a? Large healing potion, c'est tout ce qu'il y avait dans le coffre? Il a attendu 20 ans pour se dire, bon allez, la petite couette, c'est parti. Je sais pas quoi vous parler encore. Mais il pense pas à Justine, la honte un peu. Mais de avoir parlé de le premier baiser. Mais sinon oui, ça m'amuserait de mettre la puce dans la vie. C'est une idée. Des cheveux. Large healing potion. On va prendre. C'est tout. Tout ce qu'il y avait dans le coffre. C'est parce que j'ai cassé le coffre. Et du coup je détruis les items avec, non je pense pas. Il y a vraiment rien avec... Non c'est juste le coffre cassé. Tout ça pour ça, mais ça a fait de l'XP donc c'est très bien. Sauvegarde. Yop sous le mot. Et on a quoi? Ah, nouveau talent. Ça c'est très très bien, nouveau talent. Très cool. Et on est passé level 15, donc on a peut-être des nouveaux sorts. Par contre, nouveau talent, je ne sais pas du tout ce qu'on va prendre. Il va falloir réfléchir. Skill, on pourrait passer l'aéroturge à 4 pour l'invoque, ça pourrait être pas mal. On pourrait en passer 2 à 4. À voir, il va falloir réfléchir. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre? On peut prendre beaucoup de choses. Zombie, Autorush. Donc Weatherproof qui nous met immune aux effets de l'environnement. J'avais envie de le prendre par principe parce que d'un point de vue roleplay c'était assez sympa. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Je sais pas du tout si ça nous immune en plus au slow qu'il y a dans la zone maintenant qu'il n'y en a plus besoin hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bigger and Better qui requiert level 5. Un point d'attribut. Attends, attribut c'est ça? Non, ça c'est abilities. Ah, un point d'attribut, ça pourrait être très très bien. Bigger and Better ou... Est-ce que, pour ceux qui ont fait Divinity, vous savez si on chope un autre point derrière? Ou si c'est le dernier point? Si level 15 c'est le dernier point qu'on chope? Je vais re-sauvegarder, on va tester. C'est à partir de quand que tu dois commencer un live par semaine chez JVC? Bah, jamais encore. C'est... On en a...
J'avais dit non au départ, juste il faut que j'en discute avec eux, mais bon, le lundi ils sont pas trop dispo. Demain, je pense que je pourrais leur en parler et on va voir. Mais bon, c'est même pas sûr que ça se fasse, hein, parce qu'encore une fois, mon live est pas forcément d'assez bonne qualité au niveau de l'upload, donc je sais pas du tout. Faudra voir. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai sauvegardé, normalement oui, je sais plus, je vous parle, donc je le refais, hop. Et tu peux avoir 7 talents en tout. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi j'en ai que 5? Parce que level 15, ça m'étonnerait quand même qu'en 5 levels on se chope 2 talents. C'est beaucoup. Donc je voulais essayer Weathercoof. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que du coup je suis. Ah, je suis immune slow si je mets le Weatherproof. Ça c'est assez violent. Hein. Je le prendrais bien hein, parce que le côté roleplay, je trouve ça très très sympa. D'être immune aux éléments. Bon, ouais, allez, on va faire ça. C'est pas grave si c'est pas ultra opti. Au 15 et au 19. Bah là, je suis 15. Donc, s'il y en a au 19. Ah mais oui, je l'ai pas dépensé, mais oui, vous avez raison, c'est mon sixième. D'accord. Très bien cette version acoustique de Zelda, tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez de Weatherproof? Dites-moi, pour ceux qui connaissent, si c'est vraiment une mauvaise idée, mais... Ah mais c'est déjà fini, le 2 points d'habilité, j'ai déjà pris. Ça c'était une erreur, bien sûr. Mais c'était au level 3, d'un autre côté, ça m'a bien aidé sur le moment. J'ai pris le truc qui augmente la distance, glace canon, Lord Wolf, le fait de parler aux animaux, et sur l'autre j'ai pris le craft à la place. Je vais voir en eau. Alors attends. Zombie, on s'en fout. Water Rush. On s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche. Je l'ai pris sur l'autre. Politicien, on s'en fiche. Le truc qu'on peut porter, on arrivera à vivre sans. On s'en fiche. Plus de perception, on s'en fiche. Le leash, on s'en fiche. Noito. Ça réduit. Non, c'est pas bien. Les effets de la bouffe, on s'en fout. Escapiste, c'est sympa sur le principe, mais normalement ça doit pas servir. Ça, on s'en fiche, quoi. On s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Bigger and better, c'est pour notre tribu. Ouais, à part Weatherproof ou Bigger and better, mais vous me dites que le point d'attribut, on s'en fout, donc... Il y a quoi qu'on peut choper à Willpower, Man at Arms, Condrel, Bodybuilding, Sneaking, Man at Arms. Qu'est-ce qu'il y a qu'on pourrait choper plus tard? Air Hauteur, j'ai 5. Immunostone, on s'en fiche. Hydrosif, à 5. Ice King has a chance to shield an opening? Non, on s'en fout. Pyrotechnique, démon. To burn an opponent to strike. Non, on s'en fiche. Et Willpower. Non, moi je vais prendre Weatherproof. De toute façon, à mon avis, ce sera Weatherproof, t'es au level 20, bigger and better. Parce qu'il n'y a rien qui me transcende. Et voilà. On peut plus être slow. Et ça, c'est quand même hyper classe. Ensuite, on a encore des points à dépenser là, mais on verra plus tard. On va avancer vers l'entrée de la grotte. Et si je dis pas de bêtises, dans la grotte, il y avait un endroit pour se TP. Je pense qu'on l'a débloqué, mais dans le doute. Il n'y a pas genre des petites caisses qu'on aurait zappé. Là, on a pris... Là, non, oui, on n'a pas pris. En plus, il y a un coffre là-bas. Des sous.
Je vais vous laisser. Bonne Ukraine et les autres Ukraines, on veut te voir avec Glouglou Billy pour le prochain LFG. Si vous êtes sage. Par contre, il ne faut pas être trop sage non plus. C'est que ça. Dead Goblin. On s'en fiche. Là, on peut pas cliquer. Là, non plus. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Rends le tonneau. Dark Double Headed Axe. 1489. Ouais, ouais, ça fait des sous. On a besoin de sous. Crane Live, j'ai un jeu super sympa, Majesty 2, c'est un Age of Empires, sauf que tu es un maître du jeu qui donne des quêtes à des guildes pour avancer dans le jeu. J'aimerais savoir si ça t'intéresse. Le principe peut être sympa. Ah ouais, mais non, il est super loin le truc pour se TP. Du coup, on va se TP à la fin des temps. Je vais juste avancer vite fait, voir ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a genre des ennemis ou je ne sais quoi. Ouais, non, il est trop loin le TP. On reviendra par le chemin. De toute façon, c'est l'heure. Ça va être l'heure d'arrêter. Zorunino est là. Dis-lui merci. Merci Zorunino. Merci bien pour le on l'appelait Billy. Glou Billy. C'est Glou Billy. On va augmenter légèrement la chanson de Queen. Penses-tu faire un futur LFG sur The Crew plusieurs mois après sa sortie? Bon, je sais pas, faudrait que je vois si c'est un jeu. Je connais rien, mis à part que c'est un MMO voiture. Ouais, c'est tout ce que je sais. Plus fort, Queen, monte le son. Il y a du Glou Praise. Ah oui, ils sont là. J'ai peur. 10 000. On va lui vendre des trucs. Qu'est-ce que j'ai à vendre? Je fais ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vendre? Il y a vraiment plein de trucs. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Non, reviens. Je peux me la mettre en haut. Oh, je peux classer mes items comme ça. D'accord. Non. 10. Force. Il n'y a rien d'autre. 10 300. Ah oui, il y a ça. Mais normalement, on est bon. 12 000. Et le reste, ne doit pas y avoir grand chose. Non, ça, c'est le Golden Veil. Je ne sais pas à quoi ça sert. Balance. Et Vetria, j'imagine que tu n'as rien à vendre. Carotte. Non, elle t'a rien. Donc, normalement, c'est pour Crane le point en question. Basse Constit 8, et là, Basse Constit 9. C'est bien ça. Hop. On est sur lui, on est à un point d'avoir ce qu'il faut. Action Point 7, base 2, Start Action Point 10, Turn Action Point 20, on y est? Non, on n'y est pas. Apparemment si, on y est. Donc début, j'ai 10 Action Point et le max Action Point il a 20, donc je suis... Donc c'était bien 11 en constit qu'il fallait. Donc c'est ça les stats qu'il faut, c'est 11 en constit, 9 en speed, 7 en perception si vous voulez le... Quand vous êtes un glace canon... Wolf, je sais pas quoi, enfin... Pour avoir le maximum d'efficacité en combat. Donc logiquement, si je dis pas de bêtises, il en manque un petit peu sur... Il va manquer un de constit. 19, 10, 20, c'est bien ça.
qu'il me faudrait un de constite en plus, mais le problème là, j'ai la perception. Est-ce que j'ai un item quelque part qui me donne de la perception qui traîne? Sachant que là, j'ai deux en speed. Donc speed, je peux pas. Donc je pourrais pas. Alors, speed plus 1. J'ai quoi là-dessus? C'est de l'intel, hein, c'est bien ça. Donc sur elle, non. Peut-être sur lui. Il me faut de la perception. J'ai un truc, mais je perds un en intel. Intel, j'ai 16. Et là, j'ai 16. Donc, ça pose quand même un souci. Et quel level mon bâton? Level 11, intel plus 2. Ouais, non, mais speed plus 2. Ok. Et là, intel plus 1. Donc, à moins de trouver l'intel quelque part en intel plus 2, ça va être compliqué. Et pourquoi j'ai pas intel plus 2 water resistance? J'en ai peut-être pas en intel plus 2, tout simplement. Perception plus 1. Je pourrais perdre un peu en dégâts. C'est peut-être une optique. Constitution leadership. Oh, pickpocket. Perception, c'est quoi? Mais ça demande 9 en dex, donc non. Speed, dextérité, constitution. Constitution aussi, c'est quoi? Si seulement j'avais une robe constitution intel, comme ça réglerait le problème. Intel. Plus 2 intel, plus 2 perception, et c'est level 12, mais c'est du fire. C'est moi ou c'est très très bien ça? Pourquoi je le mets pas? Pourquoi j'ai ça à la place alors que ça a l'air vachement mieux? 21-53, 20-49. Parce que j'avais des mobs immune feu, je pense. Ça doit être pour ça. Et du coup, je vais lui redonner de la perception. La perception, ça fait quoi? Critical chance, initiative, start me action point, detect trap, accuracy. Ok, ouais, il y a moyen de beaucoup mieux me stuff là. Dextérité, Lucky Charm, on s'en fiche. Là, il n'y a rien. Intelligence plus 2, on s'en fiche. Ouais, je vois pas de solution. La solution, c'est de perdre 1 en intel. C'est la seule solution. Intelligence plus 2. Leadership, crafting, constitution, bodybuilding. Et là j'ai quoi? J'ai armor spécialiste constitution. Oh, suffit d'attendre un level. De toute façon, c'est pas la mort non plus. Hein. Mais à mon avis, je préfère frapper moins fort. Donc le but c'était quoi? Déjà, j'ai oublié. C'était de perdre de l'intel et de mettre la robe constitution, c'est ça. Constitution plus 1, perception, force, perception, dextérité, speed. Elle a quoi déjà? Elle a speed plus 2, donc je perds 2 en speed, mais je gagne 2 en perception. Non, je sais plus, j'ai déjà oublié. C'est quoi le fameux bâton? Mais 2 en perception, et c'est bien 1 en perception qui me manquait. Mais par contre, je vais être en galère de d'intel. Donc intel moins 1, je suis en intel plus 1. Ça veut dire qu'il me manque 2 speed. J'ai 1 d'intel en plus. J'ai 1 de perception en trop. Donc il faudrait du speed sur les deux. Et on est bon. Ah non, il va toujours me manquer la constite. 2 d'intel, 2 d'intel. 1, 1. 2 de perception. Donc je vais quand même être. Ah! Ce. Crane, t'es indirect. Ça y est, on a perdu Crane. Le but, c'est de ne pas oublier les viewers pendant 30 minutes pour du Theorycraft, par exemple. Et c'est bon, quoi. Pendant 5 minutes, je fais une petite recherche. Vous n'allez pas me faire un caca nerveux parce que j'essaye de faire des calculs. Des fois, ce soir, je vous trouve un petit peu exigeant quand même, hein. Tout petit peu. Je comprends plus rien à ce qu'il raconte. C'est simple. Il faut. On va enlever speed 2. Le but, c'est que j'arrive à 16 en intel, 11 en constite, 9 en speed, 7 en perception, comme sur lui. Lui, par exemple, il est parfait. Donc j'ai un très bon bâton ici. Je vais le donner. Je vais lui envoyer, voilà, ce qui va me permettre d'équiper. Je ne l'ai pas envoyé, j'ai rêvé, c'est ça? C'est ça, j'ai rêvé.
Il est là. Donc voilà. Donc là, on est à 17 en intel. J'ai 1 de 3 en intel. Donc je peux perdre 1 en intel s'il faut. Donc je peux voir. Par exemple, j'ai 7 anneaux. Je peux remplacer l'anneau, le Winter Ring. Sachant que maintenant, il me manque 1 en constite, 2 en speed. Ah, 2 en speed, c'est embêtant. Le 2 en speed, c'est assez embêtant. 1 en constite, donc ça, je le sais pour le constite, je peux mettre. Et perception, j'ai un point en trop, c'est ça. Oui, j'ai un point en trop en perception. Qu'est-ce que j'ai qui a de la perception? Vu que la base, c'est 6, donc j'ai plus 2. Ah oui, mais non, moi, je peux pas. Je suis obligé d'avoir 8 en perception. C'était pour rire. Vous êtes méchant avec le roi Glouglou, il devrait travailler, il continue un peu, c'est déjà bien. C'est grave si je me pose les mêmes questions que Crane, plein plein de théories pour trouver le meilleur stuff. Mais non, c'est normal. C'est qui le con qui a appuyé sur le bouton reboot? Je vais vous mettre un peu de musique quand même en fond, de Divinity, pour finir. De toute façon, c'est presque la fin, je vous préviens. Alors, Divinity Anthology, A New Dawn. Ah non, on va mettre les morceaux que j'aime bien. Celui-là. Voilà. Suivi de ça. Et suivi de ça pour vous faire plaisir. Syndrome du joueur de RPG. Je repose ma question encore une fois. Crane, comptes-tu faire un LFG sur le jeu? Non, APB. Je sais plus ce que c'est le titre, Point Blank, je sais pas quoi. Reloaded tant qu'il fonctionne encore. J'avais été jeter un oeil, mais non, je pense pas que ce soit dans mes priorités. Un petit request, j'ai envie de caler mon OST, dis donc. Tu la mettras un autre soir, parce que si j'ouvre, il va y avoir plein de chansons, et là, j'aimerais arrêter après avoir résolu ce petit problème. Force, dextérité, speed. Ah, là, il y a du speed. Donc là, j'ai trouvé du speed. Il me faut 2 en speed. 2 en speed, 1 en constite. C'est l'objectif. Et je peux sacrifier. Ah, mais c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est jouable. Il y a l'anneau aussi que je peux sacrifier. Mais les télékinésies, on s'en fout. Là, j'ai quoi? J'ai perception. Perception, j'en ai déjà trop. Intel, en plus il me manquerait un en Intel. Intel, constitution, speed. Ah, mais du coup, si je le fais sur lui, on en vient au même problème. Intel, constitution. Et là on a quoi? On a force, on s'en fiche. Force, speed. Speed, ça marche. Perception, force. Ça on s'en fiche, là on a quoi? Télékinésis, ça nous avance pas. Initiative, force, dextérité, on s'en fiche. Dans l'idéal ce serait ça, le premier qui met du speed qui est là-bas. Et il nous manque quoi? Il nous manque quoi? Un plastron. Un plastron qui mettait du speed aussi, c'est ça. De speed, un constite, on a moins un, ouais c'est ça. J'ai oublié le truc qui monte. Unbreakable, c'est peut-être mieux. On va regarder la différence. Perception, force. Intelligence. Non, intelligence, c'est pas deux. Donc deux en fait, mince. Je suis trompé quelque part. Speed, il faut du speed. Et du speed, j'avais dit qu'on avait. Très très grave, il manque un speed, un constite. Donc il me faut absolument du speed soit sur un système, soit sur le plastron, soit sur le casque. Et je ne crois pas que j'en ai. On refait les casques, leadership, les plastrons avec du speed, tu es où? Speed, il est là. Donc, normalement, on est bon. Je suis bon et je vais même frapper plus fort, je pense. Déplacement avec du speed, donc on s'en fiche. Au moins j'ai un collier avec de la constante quelque part, mais je crois pas. Normalement, maintenant j'équipe ça.
Alors, 16, 11, 9, 8, 16, 11, 9, 7, et du coup, Action Points. Action Points. Starting 10, maximum 20. Voilà, je suis opti. Je suis opti donc sur ce perso. Il commencera avec le maximum de points d'action, il aura le maximum de points d'action à chaque tour, donc c'est très très bien. Alors, qu'est-ce que vous racontez maintenant que j'ai fini? Ah mince, c'est trop fort. Voilà, j'ai baissé. Ça a l'air d'être un peu prise de tête, mais non, c'était juste du mélange d'items pour avoir le meilleur compromis avec les points d'action. Bienvenue en 2048. Pourquoi? Mais ça n'a pas été si long. Et puis ça fait partie, c'est important. Le theory crafting est une chose intéressante. C'est pas du vrai theory crafting, là c'est juste essayer de mettre... comment ça s'appelle? D'optimiser le personnage. 922, 922, critical chance 14%. J'ai beaucoup plus de crit sur le deuxième. D'habitude, j'adore les crafts, mais comme je connais pas ce jeu, c'est vrai que c'est chiant. Mais c'était pas vraiment du... Là, c'était juste, j'essayais d'avoir des stats particulières. Et je les ai eu. Parfait pour la fin du live. Par contre, mes résistes sont toutes pourries. Hein. Bah, lui, j'ai 60% en terre. Hein. Mais bon. Critical. Est-ce qu'on voit les dégâts quelque part? Armor rating 29, 61. Pas du tout. Offense rating 139, 136. Ouais, on est pas très très éloigné. Bref, on a des persos optiques, je suis content. Je te charrie, ne t'inquiète pas, je suis pas exigeant au point de te réclamer quoi que ce soit sur ton stream, alors tu fais déjà de super bon boulot, continue comme ça. Bah après, vous savez, on peut pas avoir des soirées où va se passer des trucs de ouf à chaque fois. De temps en temps, je vais faire des trucs qui ont l'air un peu moins intéressants, d'autres moments, ça va être plus interactif. Bref, l'important, c'est qu'on essaye de faire des jeux plutôt sympas et de voir comment ça fonctionne. Et si vous voulez me voir, en plus, si vous voulez me voir tester des MMO, faut que vous soyez conscient que si jamais je le fais, vous avez été plusieurs à me le demander, il va y avoir des passages qui sera encore plus chiant. C'est pour ça que je le fais pas habituellement. Mais monter des persos et faire des trucs rébarbatifs, c'est pas très agréable pour le stream. J'aimerais avoir Crane comme chef de guilde sur MMO. Oh non, non, chef de guilde, c'est pas mon truc, chef de guilde. Officier, j'aime bien, mais chef de guilde, c'est pas moi. Il faut quelqu'un de charismatique et de rentre dedans, qui sache gérer un peu tout, c'est pas trop mon style. Rejoins le groupe Steam de LFG, je sais pas pourquoi tu dis ça Mr. Bogan, mais c'est une bonne idée, quoi qu'il arrive. Au moins ça m'a donné envie de tester ce jeu, mais 40€ ça attendra un peu, c'est que j'ai un frigo à remplir. Et oui, il faut bien manger, même si c'est du coleslaw pas bon. Un TC qui ne nécessite pas de brouillon ou de spreadsheet, c'est une mise en bouche. Quand tu farmes les raies, on se marre bien. C'est pas pareil, je discute avec vous quand je farme les raies. J'ai pas besoin de concentration. Là, malgré tout, j'avais besoin d'un minimum de concentration. Fred, il gère pas, il délègue. Mais oui, c'est l'inverse. Il y a qu'un seul truc qu'il gère bien, Fred. Enfin, il gérait bien, parce que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait. C'est en lead de royaume. C'est-à-dire quand il y a du... Quand il faut synchroniser les différents guildes pour faire une attaque coordonnée, il était très très fort là-dessus, Fred. Pour ceux qui ne savent pas qu'il y a un système de points sur la chaîne, une sorte de carte de fidélité qui vous permettra de gagner des cadeaux via tirage au sort plus tard, vous pouvez consulter vos points sur la chaîne du Glougloubot, où Hagen a mis le lien. Chef de guild, c'est trop complexe, tout à fait. Pour quand Dark Souls, eh ben, je voulais le faire ce soir et j'arrive pas à le lancer. Donc il faudra que je teste avec la technique du taux de rafraîchissement à 60 Hz, même si ça me plaît pas d'avoir mon écran à 60 Hz tellement ça défonce les yeux. Mais on va tester. Un petit tour sur le TS? Oui, je vais venir vous faire un petit coucou. Je vais voir un truc avant. Hop. Alors. Crane Live. Ouvrir dans une... Oula, ça va. Il risque d'y avoir une Craneception, je préviens. Non, ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est bon.
Est-ce qu'il y a moyen de voir? Non, décidément, je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à voir les différentes channels pour essayer de faire un pseudo raid. Bon, c'est pas grave. On le fera une autre fois, décidément. Les meilleurs chefs de guilde que j'ai connus sont des femmes. Ouais, je réfléchis à savoir si j'ai eu des chefs de guilde femmes. Mais je ne crois pas. Si vous voulez que je vous passe Modo TS, faites-moi signe. Nous dit Dr. Awok. Ah, nouveau blabla de 7 km de Aube. Mais au moins. Au moins, c'est par là. Il a 15 € le jeu sur d'autres sites, oui, mais peut-on avoir confiance? Bon, en tout cas, merci à tous d'être venus pour cette soirée, même si c'était une petite soirée calme. Comme je vous disais, ça fait du bien de temps en temps. On fera des événements à d'autres moments, on essaiera de trouver d'autres jeux. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des petites idées pour les jeux, hein, si vous pensez qu'il y a des jeux qui sont très sympas en stream et que vous avez envie de voir. C'est vrai qu'il y a quelque chose que fait Exarch qui est pas débile, c'est qu'il a une PS4 et qu'il a contacté des éditeurs pour envoyer des jeux en disant voilà, je pourrais en streamer. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Il y a des jeux que je testerais bien, les futurs jeux un peu à la Dark Souls. Il y a un jeu qui ressemble à Dark Souls qui a l'air super sympa avec un gros barbare. La bande-annonce donnait bien envie. Maintenant que je commence à aimer ce type de jeu, ça pourrait être une optique sympa parce que j'aimerais bien vous faire découvrir des jeux plutôt que de Dark Souls, Dark Souls 2. Malgré tout, c'est quand même assez connu, même si ça fait toujours plaisir d'en voir. Ce serait sympa de découvrir des jeux de ce type ensemble et de souffrir un peu ensemble. Voilà. Bon, allez. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Merci encore de m'avoir tenu compagnie pour ce live tout pisse, tout tranquille, et je vais manger, je vais dévorer le reste de mon coleslaw à la fin du live, et je vais bosser sur mon montage parce que devrait y avoir bientôt les pistes son, le mix qui est disponible. Nico était en train de travailler dessus de ce soir pour le LFG débat qui sortira jeudi prochain, qui est sur les jeux à licence. Crenlive, il vole le boulot de Exerve, mais non, on est tous. On est tous dans la même. Pas dans la même galère, parce que c'est pas une galère, mais. Par exemple, je trouve ça plutôt sympa de streamer parfois les mêmes jeux. Le but, c'est pas de se concurrencer, au contraire, c'est de se compléter. Bonne nuit à tous! Allez! Je vais quand même remettre la musique de la chaîne sur la fin un petit peu plus fort, parce que c'est vrai qu'elle n'était pas très très forte, pour qu'on puisse se quitter en chantant. Bah, je vous dis à demain soir. Demain soir, j'espère que Dark Souls fonctionnera, comme ça on pourra voir mes premiers pas sur ce jeu qui, je suis le sûr, vous fera un grand plaisir à chaque fois que je meurs. Par contre, je remets le compteur de mort à zéro, hein, faut pas non plus exagérer. Hein. C'est pas le compteur de mort sur tous les sa la saga des Souls. Bon allez, une très bonne nuit à tous. Je vous laisse en compagnie de cette image de dindon et je vous dis à demain soir. Ciao ciao! Et ce n'est pas la bonne chanson. Nous allons donc passer la bonne chanson. Allez, ciao ciao, bonne nuit.